Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. L'application Clips d'Apple a été mise à jour en version 2.1.1. Pour rappel, Clips, c'est une application donc gratuite d'Apple qui permet de faire des petits montages vidéo de façon ludique pour les réseaux sociaux. Alors pas de grosses nouveautés dans cette mise à jour, mais c'est toujours une excuse pour parler de Clips. Dans cette mise à jour, pas de nouvelle scène. Alors pour rappel, une scène, c'est ce que vous voyez juste derrière moi, c'est une incrustation de vidéo dans une vidéo déjà existante et c'est utilisable simplement avec des caméras TrueDepth. On aura dans cette mise à jour de nouveaux autocollants, notamment 11 concernant Mickey et Minnie avec une propre animation, de nouvelles affiches et puis surtout l'intégration, alors si vous avez iOS 13.4, l'intégration de gestes pour pouvoir monter plus facilement avec une souris ou un clavier. Première nouveauté donc, la première affiche est l'affiche Game Over, donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis monter, donc voilà ce qu'on peut avoir. On peut évidemment personnaliser le titre, alors là c'est Game Over, mais je peux lui mettre Amazing. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis une deuxième affiche, alors c'est le printemps, c'est d'actualité, je la trouve pas passionnante. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est l'affiche que vous avez vue en début de vidéo. Voilà, bon, c'est pas génial je trouve. Autre nouveauté, des nouveaux autocollants. Alors ici, on a la nouvelle soucoupe et là, l'ancienne soucoupe. Bah, je préfère l'ancienne, personnellement. Quelques autocollants 8 bits. Alors, on a vu la clé. Ici, on voit la tête de mort. Il y en a 8 en tout. Et pour terminer avec les autocollants, 11 nouveaux autocollants Mickey et Minnie. Et attention, ce sont des autocollants animés qu'on va pouvoir superposer dans des vidéos. Donc ici, sur la gauche, j'ai la version 2.1.1 et puis sur la droite, la version précédente. Autre nouveauté, ça concerne la souris, donc grâce à une souris, alors ici sur une Magic Mouse de deuxième génération, j'arrive à slider dans les différents autocollants, et puis je vais également pouvoir avoir de nouveaux gestes, notamment scinder et dupliquer, qui se trouvent juste ici. Si j'utilise dupliquer, je vais pouvoir dupliquer tous les effets d'un clip, et si j'utilise scinder, ça va me permettre de mettre sur plusieurs plans des effets un petit peu différents, de rajouter des autocollants, pourquoi pas, et pas être limité à un seul clip. Avec la souris, on va pouvoir ajouter des autocollants, on va pouvoir également bouger l'autocollant là où on veut. On ne va pas pouvoir par contre exercer de rotation ou d'agrandissement, il faudra passer par les doigts. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à très bientôt.